Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming qui va être très chillax ce soir ou quoi. Voilà. Sinon, vraie question, comment allez-vous? Et oui, j'ai pas mis le collier, mais évidemment, de fleurs parce que l'été est fini en soi. C'est officiel, nous sommes en automne. Maintenant, si le temps est dégueulasse, c'est justifié. Donc, voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va un peu continuer parce que la semaine dernière, mercredi dernier pour ma part, j'étais un peu dépité parce que je ne savais plus quoi faire. J'avais plus d'inspiration pour les choses que je souhaitais faire. Mais écoutez, j'avais envie de streamer samedi soir et au final j'ai eu des petites idées. Donc voilà, j'ai tout noté, j'en ai réalisé quelques-unes, ou du moins j'ai commencé à m'organiser. Donc voilà. On va un petit peu faire de la décoration, de la construction, on va déplacer des bâtiments. Et voilà. Mais là, on a pas mal de choses de prévues. Donc écoutez, on est y part. Déjà, hop, pour montrer un petit peu qu'est-ce qui a été fait au dernier stream. Alors j'ai ajouté quelques plantes sur les parties hautes de l'île. On peut voir en haut à droite qu'il y a une espèce de petite zone d'eau qui a été ajoutée, voilà. La maison de Pécan, que j'ai bougée, que j'ai mis à cet endroit-là, donc ça veut dire que la partie haute de mon île en soi est complétée, genre, je te dirais, toute la ligne de B a quelque chose, genre chaque case, il y a quelque chose. Voilà, il y a des habitations un petit peu partout. C'est un petit peu rempli partout, donc maintenant là, comme on peut le voir, entre la case C et D, dans la colonne 2, j'ai mis la maison de Jennifer, donc j'essaierai de faire une décoration autour de chez elle, tout simplement. Et après, les choses que j'ai prévues, c'est en... Ouais, c'est ça, à peu près, c'est en E2. Je ferai ma zone multisport entièrement, je pense. Après, parmi les choses que j'ai prévues... C'est entre la zone 5 et 6 de la ligne E. Je ferai la zone commerciale. Où je ferai, voilà, tout con, hein, mais juste des petits chemins. Tout bête, hein, juste des petits chemins pour pouvoir avoir accès à la mairie et à mes deux shops. Et dans la zone. Donc dans la zone 4, mais non. Hein, bah voilà. Au niveau de la maison de Gradube et autour évidemment de cette zone-là. Eh bien, ça sera le quartier des oiseaux. Et tout simplement, ce que je ferai, bah, c'est une espèce de grosse montagne qui va être vraiment, je pense, relativement grande. Je pense qu'on va la creuser aujourd'hui. Donc, on va déplacer des bâtiments et tout. Hein. Là, il y aura du time travel aujourd'hui. Hein. Mais voilà. Et après, bah, l'autre truc dont j'ai pas encore parlé, c'est au centre du logo de Naruto. Où il y aura la maison de Peck, si j'arrive à l'avoir un jour, bien évidemment. Mais avant de faire la décoration, il me faudrait l'habitant en question. Et j'ai vu que malheureusement, évidemment, personne ne l'avait. Mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me connecte tous les jours sur les serveurs Discord pour voir si des gens proposent des Pecks. Voilà. D'ailleurs, j'y pense depuis la dernière fois également. Je vais un petit peu montrer du coup ce qui a été ajouté. J'ai ajouté une gamelle rose pour chez Blanche, une autre gamelle chez Chef. Évidemment, ce cèdre-là, il n'a pas poussé, ça ne m'étonne pas. Ici, j'ai rajouté un petit pêcher. Voilà, ici, on a toujours nos bambous. Là, j'ai ajouté des lanternes. J'ai ajouté des fleurs à droite, à gauche. J'ai ajouté cette table-là avec des trucs. Un truc de thé, un truc de... pas de mochi, mais je sais plus comment ça s'appelle, ça. Des petites mauvaises herbes à droite, à gauche, mais bon, on va dire que ça passe bien. Un petit pêchier, ce truc-là. Là. Voilà. Ici, bah évidemment, nous avons notre pont. Ici, la petite table de Dogo. La tapisserie asiatique qui permet de cacher un petit peu le bain. Et voilà. Donc je suis content, le quartier asiatique est officiellement complété. Derrière, évidemment, on a le drapeau de Mario. Hein. Et je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Oui, j'ai ajouté ça. Ici, j'ai ajouté un petit cèdre également. J'ai ajouté des cèdres un petit peu partout. Et en réalité, pour le quartier asiatique, la seule chose qui me manquerait, bah, c'est là.
Genre juste cet espace-là. Et mis à part ça, on est plutôt pas mal. Ici, bah, j'ai ajouté un petit flamingo. J'ai ajouté des cocotiers sur toutes les plages aussi. Donc là, c'est la maison de Jennifer. Voilà, je ferai quelque chose, un truc en rapport avec les chevaux si j'arrive à trouver des choses. Là, bon bah voilà quoi. On a tout ce qui est sport. Ce dont on s'occupera, je pense pas tout de suite, mais on va en essayer de s'en occuper aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre la semaine passée? Pas grand-chose de plus. Ah, c'est encore ouvert ici. À la limite, je peux checker. Au cas où, le cours du navet. Imagine, j'ai un bête de cours du navet, évidemment, on va en profiter. Qu'est-ce qu'on a de bien? Elle est pas mal, cette chaise. Et même ce truc-là, il est pas mal. Après, je sais pas où je pourrais le foutre chez moi. Mais je me dis qu'en décoration, au pire, c'est pas mal. Un bureau de ministre. Ah, ça tombe bien, c'est dans l'actualité. Non, mais cette chaise, elle est bien. Juste, elle me fait peur. Ah, un restaurant chinois, à vous. Bon, ça va, ça coûte pas très cher. On prend. D'ailleurs, je vais avoir pas mal de choses normalement dans mes courriers. Bon, je dis ça, j'ai même pas regardé mon cours du navet, hein, au pire. Ça n'est pas grave. Alors, parmi les autres choses que j'ai faites, du coup, je te montre un petit peu. J'ai fait construire ici une pente. J'ai planté des cèdres un peu partout vu que c'est la zone des loups. Et enfin comment, là on est dans le quartier des loups en soi, et là il y a la maison de Pécan. Donc voilà. J'ai fait cette pente, j'ai placé la maison de Pécan. Bon. Ici, hein, pourquoi c'est comme ça? Bah, c'est juste parce que je me suis raté. J'ai peut-être retiré ce truc-là précisément. Vas-y, je vais mettre en mode construction parce que de toute façon, on va être en mode construction pendant tout le stream. Oh le quick. Hein. Ah, peut-être que j'ajoute un cèdre ici, mais je sais pas si je les ai tous plantés. Mince. Attends. Voilà. Ouais, du coup ici, il faut que je fasse ça. Voilà, bon, ça fait bizarre, je sais. Mais je me suis trompé de 1. Cran. Je suis dégoûté en vrai. Bon et voilà. Le petit chemin après qui est assez classique qu'on connaît déjà. Et après le truc que j'ai fait du coup c'est à droite là. On a un petit chemin bah, derrière ici. Et voilà. Mini cascade avec de l'eau qui finit ici du coup. Voilà. Parce que je savais pas trop quoi faire de cet endroit et je me disais que de faire ça justement ça pouvait être sympa. Olivalou, je crois que c'est tout ce que j'ai fait, mais bon, ça m'a pris du temps, le temps de réfléchir, le temps de bouger les choses, le temps de noter aussi ce que j'allais ajouter en plus. Et voilà, donc plutôt content. J'ai retiré ce poirier là qui me saoulait le poirier. Et oui, c'est ce qui me semblait, hein, j'ai acheté beaucoup de choses la dernière fois. Et bah écoutez, c'est tipeur. On va regarder un peu tous les courriers. Le Runarama. La JD. Super, merci. Ah, je peux pas me débarrasser de. Si seulement il y avait de la multisélection. Mais ouais, il faut vraiment que je supprime tout dès que j'ouvre un courrier parce que sinon je vais atteindre la limite de 300, quoi. Alors, oui. Coussin de maman. Ah bah, on l'a déjà. Statue athlétique. Je me mets de côté pour le musée. Après, VTT. Vélo d'appartement. Le spot de sol. Le spot de sol. Et me semble-t-il, le spot de sol. Ça servira pour des endroits. Voilà, comme ici, hein, par exemple. D'ailleurs, je vais les placer maintenant. Voilà, je voulais en foutre un ici déjà.
ça rend pas forcément méga bien, mais en vrai ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La statue, non. Putain, non. Ouais, en vrai, ici... En vrai, ici, ça a de fou de sa place. Hein. Merde. Ah, c'est hyper chiant à placer, par contre. Si tu veux le placer vraiment au bon endroit... Voilà. Putain. Allez, je peux le faire. Voilà. Ah bah c'est sûr, ça rend mieux là. Ça ajoute quelque chose. Eh bien nickel. Bah du coup j'ai plus de spot de sol, je crois. Yes. On va aller voir Runar maintenant. Mais c'est cool, ça vit. Maintenant, j'ai des pentes un petit peu partout, du coup, je peux facilement aller ici. Et alors, Runar, bah, vu que j'ai time travel, j'ai un doute. Je crois pas que j'ai time travel à aujourd'hui, mais c'est possible. Hein. Ah non, j'ai pas time travel à aujourd'hui encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 4. Alors, celle-là, je l'ai déjà. Le lapin, ça peut être bien. Le lapin, ça peut être bien, je vais l'acheter. Et après, bah, s'il faut voir... Putain, la libération. Comment elle s'appelle? La toile précieuse. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est la... Un tableau de la Révolution, ça. C'est chez nous, ça. C'est la Marianne. Alors, Genshin Animal Crossing. Alors, comment il l'appelle? La précieuse. La précieuse. C'est cool d'avoir ce genre de tableau. Après, hein, entre nous... Hein, de toute façon, les tableaux, ils sont européens. Hein. Bizarrement, il n'y en a aucun. Des États-Unis, peut-être parce que c'est un pays de merde quand il s'agit de culture. Alors, comment savoir si c'est un faux? Il n'y a pas de contrefaçon. Eh ben écoute. Eh ben écoute, ça prend. Enfin, ça veut dire là, ça fait deux trucs de suite qu'il n'y a pas de contrefaçon, je crois. Et là, il y a. Ça s'achète ça? Une civière. Alors je vois pas dans quel monde j'en aurais besoin. Je vais prendre un deuxième lapin en cas où, je pense que ça peut être utile. Tu vois, un petit peu comme le flamingo que j'avais. Je me dis que dans le quartier des loups, ça peut être bien d'avoir des lapins. C'est dans le thème, on va dire. Eh ben nickel. Moi, ouais, quasiment chaque jour, j'ai un nouveau... J'ai un nouveau truc pour la salle d'art. Je me dis à la limite ici pour remplir, voilà, tu fous un lapin. Sinon j'en fous un genre là en haut. Ouais, quoi que. Je vais le foutre ici. J'en foutre un là. Et après, bah, si je trouve un endroit qui est un petit peu vide... Ouais, genre, ici, c'est un peu vide, mais en vrai, c'est pas très grave. Genre, par exemple, dans le quartier asiatique. Ouais, ici, à la limite. Et encore, ça fait doublon avec le truc, là. Je pense que je le... Ah bah non, mais j'ai déjà mis un truc chez Pécan. Peut-être chez Chef. Est-ce que je peux placer quelque chose chez Chef? Ouais, bah je vais le foutre là. Hein. Tempi. Ouais, ici à la limite. Ouais, ça me choque pas. Bon, le seul problème, c'est qu'il bloque maintenant. Mais bon, en principe, on n'aura pas besoin d'aller à droite. Oh, mais il est bien. Moi, je l'aime bien, mon petit quartier asiatique, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vélo et VTT. Je vais aller les déposer maintenant.
Je me souvenais pas qu'il y avait autant de mauvaises herbes ici. Peut-être à cause des time travel que j'ai fait. Hop. Et hop. Évidemment! Allez, un bureau de ministre, gnagnagna. Ok, bon bah c'est bon. Bon, malheureusement, dans cette période de l'année, je ne peux pas avoir de nouveaux insectes. Tiens, bah un truc que j'ai fait que j'ai pas montré. Sur le. Enfin, tout autour de. Voilà, du logo de Naruto, on va dire. J'ai foutu des arbres fruités. Fruitiers. Et là, bah, pour Shepek, j'ai totalement préparé le terrain. À chaque fois que j'ai trouvé un truc de merde. Voilà, je l'ai foutu là. Voilà. Ce sera la future maison de Peck. Et évidemment, avec interdiction d'aller plus loin. Et pareil, j'ai mis des barrières random comme ça parce que je trouve que ça rend bien. Et évidemment, il faut la maison de Peck avant. Ok. Ben voilà, rien de plus à faire en soi. Donc du coup, parmi les choses que j'aimerais faire. Ouais, on va former la. J'allais dire la planète. Je vais devoir faire du time travel, hein. On va faire d'abord la zone commerciale. Comme ça, on pourra déplacer les deux bâtiments. Et après, on commencera à faire la montagne du quartier des oiseaux. Quartier des oiseaux qui, je pense, n'aura qu'une pente pour y accéder. Et après, je mettrai des échelles parce que le problème, c'est que ça coûte trop cher sinon. Bom, 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 bom. J'ai un message Discord. Spouette, pouette, pouette, pouette. Et bah, c'est parti. C'est vrai que j'avais oublié la zone multisport. Ah, puis du coup, cette zone-là, elle est inutile en vrai, hein. Ah oui, j'ai un petit peu habillé les plages là notamment. Mais ouais, là, toute cette zone-là, elle sert à rien. Mais c'est ça en fait, faut d'abord que je déplace la maison et les bâtiments. Et je me tâte à faire une espèce de montagne un petit peu autour, ou derrière la. Bah non, ce sera derrière la mairie en vrai. Bon, y a quoi ici? Bah, y a plein de trucs à cause du. Je t'avoue, je m'en fous un petit peu, on a déjà fait la nif de Monica en plus. Alors. Ah merde, la maison de qui ça? J'ai Julie. Ah putain. J'avais. Mais oui, je l'avais zappé vu que Julie, dans ma tête, elle était dans le quartier asiatique, mais non. Bah du coup, ça veut dire qu'il faudra que je bouge un peu sa maison. Il y a un copriérisé. Je vais le prendre, en vrai c'est de l'argent un peu gratuit. Hein. Je te dirais avec tous les insectes que je récupère, ça me permet de. On va dire, si les insectes que je récupère permettent de compenser l'achat d'une pente, en vrai c'est que ça vaut le coup. Enfin, vu que j'y suis, je récupère un petit peu des bringes, des bouées. Du coup, ça y est, les shops, ils sont fermés. Et oui. Donc, faudra que je coupe ces arbres, du coup. Ouais, cette maison-là, faudra que je la déplace. Est-ce qu'il y en a d'autres qui risquent de me gêner ou pas? Ouais, il y en a une à droite, mais normalement, elle devrait pas me gêner. C'est celle de qui, j'en ai aucune idée. C'est chez Alice. Est-ce qu'il y a Alice? Ah oui, c'est un koala.
Eh bien écoutez, on va se commencer à s'occuper ici. Alors déjà que je vois, j'ai pas le bon sol. Donc je vais aller l'acheter. Ouais, j'avais pas acheté tous les sols en me disant que ça serait pas utile, mais bah a priori si du coup. Bon, faudra que je déplace la maison de Julie. Je sais pas où je vais la mettre en attendant. Je vais peut-être. Ouais, je pense que je vais la mettre à gauche, histoire d'être tranquille. Alors la question c'est où est-ce que j'achète les sols? Je pense que ça doit être là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas les bonnes couleurs. Bon, allez, je les prends comme ça. Comme ça, ce sera fait. Et n'empêche. Heureusement que c'est gratuit ces trucs-là. Ah, ça sera un enfer, imagine. Putain, c'était un sacré bruit là qu'on vient d'avoir. Balalatata. J'ai un peu branché ma manette parce que ça fait longtemps que je l'ai branché. D'ailleurs, un truc, hein. J'hésitais ce soir à lancer du Mario Galaxy. Ça me rend fou. J'ai trop envie de relancer le jeu, vraiment. J'ai tellement kiffé le Jumpless que j'ai fait cet été. Mais vraiment, avant de reprendre. Le jumpless pour faire le 100% et même améliorer ce qu'on a déjà. J'aimerais que le montage soit démarré, quoi. Putain, il va me le faire à chaque fois, hein. Par contre, je crois pas qu'il y ait le bon sol. Je cherchais un truc en épouvante, en é... en... Ouais, en épouvantail, je crois, ça. En éventail, pardon. Mais c'est pas la bonne couleur, là, il est gris. Je veux pas du gris. Ouais. Pas présent, créer des routes. Trop bien. Je peux créer des routes. Trop content. Eh bien. Ouais, c'est pas la bonne couleur, hein. Regardez la différence. Alors comment ça marche ça? Merde. Sinon ce que je peux faire c'est une grosse... Ah ouais c'est ça, au lieu de faire des chemins je fais une grosse zone... Bah je fais une deuxième zone comme ça en fait. Ouais du coup faudrait que je déplace maintenant la maison de Julie quoi. Et que je pète les arbres qui me gênent. Genre... Je pense que ouais, je vais faire une zone à peu près aussi grande que la mairie. Il faut que je coupe des arbres. Faut se débarrasser de tous les arbres de cette ville. Ah, si seulement il n'y avait pas de durabilité sur les objets. Non, je le savais. Misère, la fidèle hache. En plus, les Mélémilos, ils ont fermé, donc du coup, je vais devoir en craft. Moi, ça me fait chier de crafter. Spouette. Ça serait peut-être bien que j'ai une table de craft tout le temps sur moi. Pas de pratique. Bon, j'en profite un. Un joue fluide, je crois pas que je l'ai celui-là. Un truc que je peux faire, c'est des espèces de trucs à l'avant de chaque maison avec des dalles. J'ai fait ça dans le quartier asiatique. Ça pourrait être intéressant de faire part pour toutes les maisons. Bon. Je vais mettre bien. Voilà. Alors, il est où? Il est là. Ah là là. C'est fou. Je me demande s'il y a une histoire d'aléatoire. Ou si juste ils vont tout le temps au même rythme et c'est censé faire une musique à la fin. Es-tu bricolé? Oui.
Alors, du coup, comment ça marche déjà? Faire une rudimentaire d'abord. Putain, j'ai un caillou sur moi. Et après, il me faut ouais, du bois et une pépite. Bah, parfait. Il faut du bois pour récolter du bois. Je l'ai bien fait. J'étais en train de me dire est-ce que je me débarrasse de mes fruits, mais non. Alors, bon 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 bon. Et on s'est bardé. Bon, lui, il poussera pas, j'ai compris. Alors, bah, du coup, va falloir déplacer une maison. Et je vais time travel juste après, du coup. J'ai un doute quant au fait que lui, il me gêne. Donc, je vais le péter. Quand même, avant ça, on va récolter le fer parce que, voilà, je vais peut-être en manquer. Parce que je crois que j'ai plus de réserve de fer. Donc vas-y, si on peut en récupérer un petit peu. Un peu d'or. Eh bien. Voilà. Ça, c'est un truc dont je ne me serais pas souvenu si je n'avais pas vu sur internet pour péter des cailloux. Il suffit de manger. Manger est utile dans ce jeu, comme quoi, c'est bien. C'est vrai que t'as aucun intérêt sinon. Alors. Non, ce caillou-là, il devrait pas me gêner. Ce fossile risque de me gêner, par contre. Putain, il y a du bois derrière ici. Il devait y avoir un arbre avant. Alors, qu'est-ce que je pète? Ouais, ces trois arbres-là, et après, normalement, ça devrait aller. Hein. Eh bien, zabardi. Hein. Eh bien, ça me fera du bois un petit peu. Niveau pelle, ça devrait aller. J'en ai pas mal. Swing. Donc maintenant, on va aller parler au Nuke Nuke. Mais je crois que je peux pas déplacer deux bâtiments. Parce que, à la limite, ce que je peux faire, c'est commencer à faire ma zone et décider de l'emplacement des trucs. Parce que je sais pas si je peux déplacer une maison et un bâtiment. Mais je crois pas, hein. Je crois que c'est vraiment un bâtiment par un bâtiment. Mais bon, en attendant, c'est vrai que je peux commencer à réfléchir un petit peu à ce que je ferais. Attends, et voir la gueule du truc aussi. Alors, est-ce que je fais ça comme ça? Ouais, à la limite. Oh, le cerf. Bon, allez. Je crois que je crois. Ouais, je suis pas convaincu par ça. Ouais, je me dis peut-être autant faire un truc qui ressemble au à ce qu'on a là. Hein. Ouais, pas convaincu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, voilà. Là, c'est beaucoup plus de la même couleur.
Bah, je ferai probablement en brique alors. Et voilà. Donc on va déplacer la maison de Julie, je vais la foutre tout à gauche comme ça, je suis tranquille. Donc au final, chaque habitant sera au moins dans un quartier. Sauf Jennifer. Jennifer, je l'aime plus. C'est vrai que je me suis mis des notes aussi. Pour la zone multisport, la zone de Jennifer. Je vais faire des références politiques. Alors parlons infrastructure. Déplacer un bâtiment. La maison d'un résident. Julie, du coup. Ça coûte 100 balles de déplacer la maison de quelqu'un, si seulement c'était aussi facile. Ma cassette, laisse-moi faire. Normalement, j'ai de la place sur moi. Eh bien, hop, je te prends de l'argent. Prends le kit de déménagement. Est-ce que j'ai des trucs ici un petit peu qui peuvent être utiles? Ah, pousse de cèdre. Putain, mais c'est ce qui me semblait. On peut avoir des poudres de cèdre hein, facilement. Établi en bois de fer, boîte en carton. Cassette au fond. Ouais, si j'ai besoin de cèdre. Il y en a ici. J'avais oublié. Attends, avant quand même. Pour être sûr, on est d'accord, c'est joli ça, oui. Ouais, bon, Julie, j'ai dit que je les mettais à gauche, à la limite, je peux la foutre là en attendant, quoi. Moi, quand je disais je la fous à gauche, c'est vraiment tout à gauche. Là. Non, mais bah, vas-y, je vais la mettre là en attendant. Alors, imaginons, oui, du coup. Allez, c'est parfait. Si tu veux. Il me semble qu'on est tout bon. Hein. À la limite, faudra que je range tout ça dans mon inventaire. Et après le reste, voilà quoi. Allez hop. On fait une pause. En vrai, je me dis peut-être que je ferai du Mario Galaxy avant même de commencer ma vidéo. Parce que j'ai des choses à faire. J'ai vu des trucs. Ou peut-être que je repasserai par Mario Odyssey avant. Un truc que j'aimerais faire d'ailleurs, je pense, c'est peut-être chaque été, revenir sur Mario 3D World pour refinir le jeu, mais avec un autre personnage. Comme ça, je joue chaque année pour me rapprocher du 100%, du trou 100%. Donc je pense que... Et j'appellerais ça pas Mario 3D World, mais Mario... Non, pardon. Harmony 3D World. Parce qu'évidemment, j'ai envie de faire le jeu avec Harmony. Il y aura juste le post-game qu'il faudra que je fasse. Je pense que je le ferai avec Mario, le post-game, vu que je l'ai déjà fait avec Harmony. Ouais, du coup, je vais monter d'un jour. Hein. À la limite, le mieux pour moi, ce serait de revenir en août. Ouais, vas-y. Revenir en août, parce que du coup, je peux tomber sur un scarabée. Voilà. En vrai, il faudrait que je fasse ça. Quand je joue Animal Crossing, bah, tant pis. Mais au moins, ça me permet de potentiellement tomber sur le dernier insecte qu'il me manque. Je vois que j'ai des messages sur Discord. Pouep. D'ailleurs, j'ai vu Spice and Wolf Season 2 d'annoncer. En vrai, c'était sûr pour qu'ils fassent un remake de l'animé. Vu que là, les remakes, on a ras-le-main. Des animés un peu vieux. On a Ranma 1/2 qui chope son remake,
On a Urusei Yatsura qui a chopé son remake, qui a été adapté jusqu'au bout, évidemment, en skippant beaucoup de choses. Hein. Mais on va dire ça a été adapté en entier. On a eu quoi récemment? Je sais même plus. On va dire, allez, on a Blue Exorcist qui a repris. On a Konosuba qui est pas mort. Donc non, bah c'est cool. Et Spice and Wolf, ouais, bah voilà. On aura la saison 2. Parce que je crois que là où va se terminer actuellement la saison 1, c'était peut-être un chouïa moins loin que là où s'arrêtait l'animé de l'époque. En comptant toutes les saisons. Mais je suis pas sûr hein, à ce niveau-là. Mais je crois que c'est parce que l'animé de l'époque a deux saisons de 12 épisodes. Donc c'est pour ça doit être à peu près équivalent. Ah merde, faut que je time travel dans le futur forcément. Merde. Bon bah tant pis. Bah écoute, je vais time travel un an en avant. Comme ça. Ça va être bien. Oh merde. Bon, j'en profite, je vais aller voir Runar avant, évidemment. Allez, sur l'île de Zdo, ouais. Bon, en espérant que Runar ait beaucoup de choses. Hein. En vrai, c'est cool que Runar puisse quand même venir sur notre île. Parce que quand il a son bateau, tu as 4 ou 3 œuvres qu'il te propose. Et les probas qu'il y en a une vraie sont... Enfin, il y en a une vraie max, je crois, à chaque fois. Mais les probas, voilà, qu'il y en a une vraie, sont très élevées. Je te dirais, les 3 ou 4 fois que ça arrivait, j'ai eu une vraie œuvre. Eh ben, je crois que j'ai déjà les deux. On va vérifier si c'est des fausses, mais il me semble que les deux, je les ai déjà. Celle de droite, j'ai un doute, mais... La classique. Alors, comment savoir si elle est fausse? Le jeune œuf porte une frange bien épaisse sur la fosse. Oh putain, elle est vraie celle-là? Putain, j'étais sûr de l'avoir pourtant. Ah ouais, non, non, il a juste... Normalement, ouais, il a une frange qui fait ça au niveau de son front. Mais là, du coup, bah là, c'est une vraie, a priori. Eh ben, écoute, on prend, hein. Je pensais pas. Eh ben, écoutez, ça save. Et on va aller un an en avant. Voilà, on va se retrouver là où j'avais l'intention, à la base, de reprendre le jeu. Donc, c'est l'occasion. J'attends un peu les chargements. Je sais pas exactement quand est-ce que tu es censé pouvoir te déco. Je préfère attendre les chargements pour être sûr. Évidemment, si j'ai un villageois dont je ne veux pas qu'il se barre, avec plaisir. Bienvenue en 2025. Putain, 2025. 2025, je suis censé avoir mon diplôme d'ingé. Je me dis aussi que dans 3 mois, là, tout pile, normalement, dans 3 mois, tout pile, j'aurai presque fini tous mes cours. De ma vie, ça veut dire. En principe, je devrais plus en avoir derrière. En tout cas, je ferai en sorte que non, parce que je déteste ça. Et voilà, rien de plus à dire pour cette phrase, hein, c'est tout. Bon, c'est juste stricte vérité, stricte pensée. C'est fou hein, quand même, je suis allé si loin dans les études alors que je déteste ça. Ça m'a toujours fait chier. Ça a commencé à me saouler peut-être vers la fin de la primaire. Le collège, ça m'a saoulé. Évidemment, le lycée aussi. Et le post-bac. Évidemment.
En plus, il y a eu une période Covid, donc on va dire quelque chose que j'aimais fortement, à savoir le sport. Bah, il n'y avait plus de sport pendant un certain temps. La prépa m'a dégoûté des QCM. L'école d'ingé m'a remis bien dans les QCM. C'était plus un point négatif. Bon, je me permets d'aller un petit peu vite. Ouais, t'as trouvé des coquillages, super. C'est fou qu'ils aient autorisé le time travel quand même. Enfin, vraiment, le jeu est pensé pour fonctionner avec le time travel. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Bah, du coup, ma mère, j'imagine qu'elle m'a donné le gâteau pour mon. Eh bah oui. Vu que, en principe, là, j'ai mis quoi? 23 août? Et je suis né en septembre. Enfin, je suis né le 20 août. Bon, je m'en fous un petit peu des gens, je vais pas leur parler, je suis pas là pour ça, de toute façon. Moi, je veux juste voir, est-ce que la maison de Julie a bien bougé? Ah, bah nickel. Putain, j'ai plus de place. Ah bah, je vais me faire de la place maintenant, parce que sinon, ça va être un peu embêtant. Allez. Il y a quoi ici? Ah, ça doit être les feux d'artifice. En vrai, ça aurait été bien que je profite pour faire expertiser mes fossiles. Mais bon. Faire une donation. J'en ai trois, je crois. Ah non, je. Pôle classique. Merde. Ah non, c'est ce qui me semblait. Mais comment ça se fait? Attends, on peut avoir plusieurs originaux dans le jeu? Mais attends, j'avais pas une statue aussi? Ah, je lui ai déjà donné. Ah donc, en fait, la toile classique, je l'avais déjà. Mais j'ai deux originaux, ça veut dire. Ou sur le site, ils se sont trompés. Ah, j'ai déjà la Mona Lisa. Ah ouais, j'ai deux originaux, ça veut dire. Eh bien. La révolution qu'on a vue. Ah, le Japon. Bon bah c'est cool, ça se remplit ici. Ça se remplit et legit. Bien sûr. Eh bien écoute. Bref, aussi on s'en fout. Ouais, je pense que je vais aller. Je pense que je vais tout poser. Hein. Ça je peux en pocher. Pour gagner de la place. Je vais aller tout déposer, je pense, chez moi. Et on va commencer à faire la zone commerciale, du coup. Et en vrai, pour me garder des choses pour le prochain stream, je vais juste faire la zone commerciale. Je vais peut-être commencer à aller à faire au moins le contour de la zone. Merci. J'ai juste commencé le contour peut-être de l'île. Ah, de l'île. De là. La. Évidemment. Du quartier des oiseaux. Le contour. Bon, c'est bien, ça me fait du bois, ça me fait quelques fruits au cas où. Après des fruits, je crois que j'en ai beaucoup. Hein. Mais voilà, on va pas faire grand-chose aujourd'hui. J'aurais peut-être pas dû faire du Animal Crossing finalement. Mais j'aurais fait du Mario Galaxy, hein. J'ai hésité, hein, vraiment.
me disais, putain, j'ai trop envie de faire du Mario Galaxy, mais en vrai, ça me fait chier, j'ai... C'est pas le bon moment pour y jouer. Ah, si je devais faire du Mario Galaxy, en fait, je pense que ce que je ferais, c'est que je regarderais la vidéo du mec qui a fait le jumpless. Et que j'essaierais de réaliser les levels qu'il a fait, sur lesquels moi j'étais, et des endroits où il a gratté des sauts. Là, celui que j'ai en tête, c'est le royaume des abeilles. Où à un moment, il arrive sur un nénuphar, et en fait, il y a un bug avec le nénuphar qui fait que bah, tu peux sortir de ce nénuphar-là. Et que la façon de le faire est débile. Et impossible à penser, à part si tu remarques le truc. Parce qu'il y a un bug avec le nénuphar qui fait qu'à chaque fois que tu tournoies, en fait, il gagne des pixels de hauteur. Et au bout d'un moment, bah, de faire ça, en fait, tu vas juste sortir d'une zone de collision, on va dire, du nénuphar. Et je sais pas ce qui se passe, mais les collisions du nénuphar sont désactivées sur les côtés et tu peux sortir de cette façon. C'est n'importe quoi. Mais bon, comme ça, on va dire, tu peux choper le TP rapidement. Ah bah non, tu peux pas choper le TP vu qu'il te faut l'abeille. Ouais, donc non. Ouais, tu fais juste ça pour sortir, en fait. Quoique à ce moment-là, je crois que moi j'avais déjà l'abeille dans ma run. Mais bon, il y a moyen de gratter des sauts. À la limite, je pourrais faire ça, hein. Si je sais pas quoi faire et que je veux faire du Mario Galaxy. Bah, je vais juste repasser par mes levels et voir la vidéo du mec. Et passer du temps pour essayer de réaliser des trucs. Mais je pense que c'est des choses que je mettrais pas dans la vidéo. Que je ferais. Je pense que je ferai un épisode 2 avec le 100% et que dans ce 100% là, je parlerai de tout ce que j'ai fait. De tous les levels sur lesquels je suis repassé qui m'ont permis de gagner des trucs. De gagner des sauts. Et dans le royaume des abeilles, je crois, je suis pas sûr, hein. Je crois que dans le premier level, je fais deux sauts. Je crois que je peux retirer ces deux sauts. Mais je ne suis point sûr. Donc j'avais dit que je mettais de la brique, du coup. Oui, bonsoir Lival, comment vas-tu? Ça va très bien, Wiro, merci. Et la vraie question, c'est comment toi tu vas, bien évidemment. Et écoute, voilà. Animal Crossing. Je sais même pas ce que ça veut dire, crossing. Que t'as Crossy Road. Je mets, ouais. Bon alors, je vais en bas à quel point? Ah oui, je peux pas aller trop bas non plus. Ouais, on va se dire je vais en bas jusque là. La traversée d'animaux. Bah oui, du coup, c'est traverser la rue. Donc voilà, pour l'instant on fait une zone. On essaye de voir l'espace qui me serait nécessaire. Je pense pas que je mettrais des barrières quand même. Vas-y, je pense que là ça devrait être suffisant. D'ailleurs, bienvenue en 2025. Actuellement, je suis en 2025 dans le jeu. Comme ça, je suis en été. Et après, quand je vais time travel, je pense que je vais time travel de jour, pas d'année. Oh, papa le scorpion! Bah, le scorpion, ça fait de l'argent. Hein. Regarde, il va se mettre sur ses pattes arrière en mode. Psst, je l'ai vu! Il m'a vu là ou pas? Il m'a pas encore vu. Bon, allez, viens. Merde! Putain, je l'ai fait trop tôt! Putain, dommage! À très peu près. Et oui, game over. Ah, je suis en vie. Eh bien, rip. Bon alors. Ah oui, mais je suis allé beaucoup trop loin là. Ah, j'avais pas vu. Qui est fait, elle? Alors. Non, c'est pas des pavés de bois, c'est des briques.
Ouais, c'est dommage que les liaisons elles se fassent pas et que ça reste du bois dégueulasse. Dommage ça. Alors comment s'est passée la journée Wiro? Ah, moi j'avais rien, du coup j'ai fait du montage. Et après bah j'étais sur mon ordi. Ah non putain, je suis pile allé au bon endroit. Incroyable. Alors l'espace est comme ça du coup. Je vais regarder combien de... Ah ouais, c'est large quand même. Ça, c'est la... Ça, c'est pas large. Mais là... Oh ouais, ce truc-là, il est grand, je pensais pas. Vous voyez pas si grand. Attends, je vais voir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 7. Ok. Ouais, en vrai, faudrait que je prenne de quoi déplacer ce truc-là. Ah, je pensais qu'il faisait la même taille, mais non, le truc de Tom Nook, il est énorme. Est-ce que je le ferais pas plus grand vers là? Et après ici on se dit bah voilà on a une zone fleur ou une zone un petit peu jardinesque. Je ne sais pas. Parce que là après j'ai un grand espace qui sert à rien aussi. Ouais, il y a des zones qu'il faudra vraiment que je trouve quoi faire. Hein. Je pense que je ferais juste des parcs, des zones d'eau, des conneries comme ça. Hein. Franchement je me ferais pas chier. Hein. Mais peut-être que tu vois, c'est si je me chauffe à reprendre de jeu cet été, je vais quand même me laisser des choses à faire pour cet été. Genre là, par exemple. Ouais, je me dis à la limite, ce que je peux faire pour cet été, que je vais me garder. Je vais me garder la. Je vais me garder le fait d'essayer de choper Peck et Apollo. Donc j'essaierai de les choper cet été. Et la déco de la maison de Peck, de Jennifer, je me les garde pour cet été aussi. Mais du coup, cet été, il faudra vraiment que je me batte pour l'avoir. Après, si je peux l'avoir, évidemment, pendant mon let's play actuel, on va dire, aucun souci, tu vois. Attends, le bruit est insupportable. Vas-y, pique-moi, toi. Enfin, ces petits fils de pute de moustiques, hein. Ils sont encore là, hein. Qui de deux en cours parce que le prof punissait tous les gens qui parlaient sans lever la main. Comme je suis un peu con, je peux pas m'empêcher de parler, donc dodo. Je suis allé au lycée en vélo. Mauvaise idée, il pleuvait. Putain, ouais, j'ai vu la pluie, c'était fou. Là, je suis très content de pas être allé en cours. Parce que normalement, j'aurais dû y aller de 18 à 20, mais ça a été annulé vu que cette semaine, on est en semaine de conférence. Et ça a été demandé à ce que ce soit annulé pour ne pas devoir se taper le chemin, quoi. Sachant qu'on avait que ces 2 heures de cours-là. Que je pense que notre prof aussi, ça le fait chier de venir un soir, tu vois. Mais bon, après, c'est un prof de post-bac. Plus 5. Bac plus 5, hein, quand même, là où il enseigne actuellement pour nous. Donc, je pense qu'il est bien payé, quand même. Mais bon, je pense qu'évidemment, ça doit être un peu relou. Oh, je sais ce que je pourrais faire au centre, je pourrais caler une fontaine. D'ailleurs, les zones un petit peu parc, je pourrais foutre des fontaines, etc. C'est des trucs qui coûtent bien cher. Je pourrais faire un jardin asiatique à un endroit d'ailleurs, je me dis. Ça pourrait être pas mal. Un tic-tac-toe. Alors, cette petite zone qui est terminée. Faudrait que je regarde, ouais. Ah, je trouve ça moche, hein. Ça, là, c'est moche. Hein. Il me faudrait des chemins personnalisés. Mais bon. On est d'accord, ouais, c'est symétrique. Je vais aller voir dans ma maison.
si j'ai des choses que je pourrais y foutre. Alors, est-ce que j'ai des fontaines ou des conneries du genre? Je crois pas. Hein. Mais bon, il faut vérifier. Ouais, j'ai rien. Oh, c'est là-dedans qu'il faut que je regarde. Ah, j'ai que dalle. Bon. Ah, mais j'avais déjà une. Je viens de voir. Mais j'ai acheté une chaise de restaurant chinois parce que je la trouve belle, la chaise, tout simplement. Noire et rouge. En fait, j'en avais déjà une. Bon, ouais, je vais demander à la mairie de pouvoir déplacer le. Le truc. Pour voir un petit peu la taille que ça prend. Donc, je vais d'abord déplacer le magasin de vêtements. Mais ouais, au niveau des décorations, un petit peu pour remplir les trous, pareil, je pense que tout ça, je vais me les garder pour la prochaine fois. Je pense que vraiment là, pour le let's play et, fin, et les streams que j'ai envie de faire jusqu'à ce que je m'arrête, on va dire en octobre. Parce que je vais arrêter Animal Crossing en octobre, hein, dans ma tête, c'est officiel. Je me laisserai du coup la déco de la maison de Peck, de Jennifer, la déco des endroits où il y a des trous dans l'île, tout simplement. Et après, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire en plus. Qu'est-ce que je me suis noté? Ma maison. Finir ma maison. En vrai, je me dis la zone multisport, je pourrais me la laisser pour cet été, pareil. Hein. Moi, j'ai déjà noté. Pour la déco autour de la maison de Jennifer, vu qu'elle parle comme une racaille, je vais mettre un tableau de Aya Nakamura. Je vais mettre un tableau de Jean-Luc Mélenchon. Et dans la zone multisport, je vais mettre un drapeau de la France. Un tableau de Deep InShape. Un tableau de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Et si je mets tous les gens du RN? Et je mets un tableau de Eren Jaeger. Oh. Incroyable. Je trouve ça trop rigolo en rêve. Eren Jaeger. De SNK. Alors parlons infrastructure. Je veux déplacer un bâtiment. Je veux déplacer le. L'atelier de couture. Et plus qu'à demander à Layette. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait l'île de Joe pour avoir d'autres shops. Je trouve ça très dommage que tous les shops du jeu, enfin, on puisse en avoir que deux sur notre île principale. Ça, je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Bon alors. Je sais pas trop comment je le place. Déjà, je vais voir ici. Ah ouais, ça prend de la place, ça aussi. Ça prend plus de place qu'une maison. Donc ça veut dire qu'il faut que je l'étende de 3 au moins. Et en vrai de vrai, je vais l'étendre plus que ça. Hein. Donc 4, 5 et 6. Oui, je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Merde. Et je vais déjà placer tout le carrelage en espérant qu'il soit pas retiré en craftant le bâtiment. Ce qui est possible. Hein. Et après, vu que par exemple sous ces escaliers-là, tu peux replacer des trucs, peut-être je serais pas trop emmerdé. C'est vraiment chiant. Moi je dis ça manque d'un petit truc d'UI
pour savoir, genre tu vois, un petit point blanc à la limite, au centre de la case que tu vas toucher. Parce qu'il y a des moments où tu sais pas quelle case tu vas toucher. Et du coup, bah voilà. Il se passe ce qui s'est passé avant. Bon allez, je vais poser après, je vais au moins creuser la zone de l'autre côté. Voilà, juste j'ai fait le tour. Et de l'autre côté. Donc 6, l'extension. Extension du territoire. 1, 2, 4, 5 et 6. Et l'aéroport, il est où? Ah, il est là, l'aéroport. Ouais, je pourrais faire un accès à l'aéroport en vrai. Ah, ça peut être bien. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. L'aéroport, je me vois plus faire des petits. Ouais, peut-être des petits ronds de sable. Hein, qui mèneraient jusqu'au truc. Ouais, ça peut être pas mal de faire ça. Je vais essayer de les faire juste après. Et donc ici, on foutrait le shop du coup. Ah mais le shop, il est immense. Mais bon. Alors du coup. Alors comment ça rend? Ah, des petits trucs comme ça. Il en faudrait un juste là, mais je sais pas si on peut. Ouais, mais je crois que ça va toucher au-dessus. Ah merde. Ça veut dire que ça, je dois l'effacer un petit peu. Donc ça, on efface. Là, on est d'accord, c'est bon. Je crois que c'est un tout petit peu trop proche. Ouais, genre quand je suis là et quand je suis là. Ouais, c'est un petit peu plus éloigné, je crois. Faudrait que je le décale d'un cran vers le haut ou à droite. Oh, quoique en vrai, c'est pas grave. Ça se voit pas trop. Voilà, dégueulasse. Mais au moins c'est fait. Non, faudrait que je le décale d'un cran vers le bas. Ah, mais ça va toucher. Ah ouais, je peux pas. Ouais, en vrai, ça va. Bon alors, du coup, brique. Ça se trouve, je suis en train de poser les briques pour rien, vu qu'elles vont toutes disparaître en posant mes bâtiments. C'est très possible, hein. On verra, ça sera la surprise. D'ailleurs, un truc qu'il faudra que je fasse après, c'est pour chaque maison, faire un petit truc à l'avant, juste en dessous de l'escalier.
Vu que je l'ai fait pour le quartier asiatique, ce serait bien que je le fasse un petit peu partout. Je suis pas convaincu par celui-là, hein. Tu vois, il fait tâche. Je vais le retirer après. Spoilep, 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 spoilep. En le quartier des oiseaux, je le ferai vraiment mercredi. Je vais juste faire la zone commerciale ce soir. Et après, je trouverai un truc à faire. Au pire, on continue le top OP of all time. Je sais pas, j'ai envie de streamer cette semaine. Bon, en même temps, j'ai une semaine full conf, donc forcément. J'ai envie de faire des choses des soirs. Non, j'aurais fait du montage, mais j'en ai déjà fait tout à l'heure, j'ai un petit peu la flemme. Là, j'ai monté les deux premières VOD de Pitch Showtime. Mais la vidéo, elle risque d'être trop longue. Donc, faudra que je trouve. De toute façon, c'est en refaisant la vidéo, je verrai. Parce qu'actuellement, il y a des levels entiers que j'ai coupés. Je pense déjà, c'est les. Parce que dans le jeu, pour chaque tenue de Pitch, tu as trois levels. Et le deuxième level, il est toujours beaucoup plus inintéressant que le premier. Enfin, il est moins intéressant que le premier. Donc je pense que je vais les deuxièmes levels, je les coupe presque tous. Et les troisièmes, à part un que j'ai en tête, je crois que je vais presque tous les couper, quoi. Évidemment, le tout premier que je vais laisser quand même. Mais j'ai peur, j'ai pas envie que la vidéo elle fasse trop de temps. Hein. Je crois déjà elle fait 11 minutes alors que j'ai monté que même pas la moitié des VOD. C'est trop long, là. C'est pas mal. Un peu dommage. Faudrait que ça aille un cran plus loin à la limite. Et là, ça me rendrait bien. Là, comme ça, c'est pas collé. On a un d'écart. Du coup, faudra que j'agrandisse de 1 de l'autre côté aussi. C'est énorme. Je pense que ça va me faire bizarre en ouvrant la map. Hein. En voyant la taille du bousin. On empêche, j'ai bien géré au niveau des arbres. Alors maintenant. Alors maintenant. Alors imaginons. Je crois qu'il y a un. J'espère que derrière, ouais, il y a au moins un bloc. Ah putain, ça me retire tout. Fait chier. Oh, c'est nul de faire ça. J'espère qu'on va pouvoir les poser en dessous. Hein. Bon, allez, c'est parfait, mais ça fait chier, quoi. Ah, c'est trop con. Et du coup, on a bien une dalle au-dessus et une dalle à droite. Et c'est ce que je voulais. On verra hein, si je pourrais reposer par en dessous. Ouais, c'est con que ça pète. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? La terroriste, là. Elle fait ça, on n'est pas à la Courneuve. Hein. Y a pas... Qui n'a jamais fait de refus d'obtempérer? C'est pas le moment de faire des feux d'artifice, là. Et que fait la police? Bon, et du coup, l'espace... Ah ouais, mais je suis allé beaucoup trop loin. Ah ouais, là, il me reste un espace immense derrière. Ouais, faudrait que je fasse ma fontaine. Je vais voir combien elle coûte. Putain, ton... C'est vraiment quand je vois écrit un rire avec le B. C'est vraiment mais un truc en mode... Bref. Rigolo, c'est rigolo. Saleté, là. D'ailleurs, il y a eu une avancée, finalement. Bah, je crois que c'est même pas qu'il y a eu une avancée, il y a eu la conclusion de l'affaire. Mais évidemment... Bon, après... Ouais, on va dire qu'il y a la présomption d'innocence
pour la victime, vu qu'elle est, elle est plus là. Mais bon, évidemment, on va dire la version qu'on aurait, le policier, il a juste fait son taf, quoi. Il a juste fait son taf. C'est à cause de l'autre. L'autre a provoqué sa propre mort. Écoute, tant pis, hein. Il ira au paradis. Si Dieu le veut, bien évidemment. Si Dieu existe pour lui, pour sa religion. Bah, y a pas de fontaine. Ah si. Elle coûte combien? 4000. Aïe aïe aïe. Après, la légende raconte que le paradis, c'est le même pour toutes les religions. Mais bon. Imagine quand même. Imagine les martyrs terroristes là qui se retrouvent avec le petit Jésus. À se demander, mais comment ils se sont retrouvés là? Ouais, faudrait peut-être que j'étende un peu vers le bas. Après là, j'ai peur que ça fasse. Ah, ça, j'ai peur que ça fasse beaucoup quand même. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être arrondir les coins. Enfin, la zone, là. Comme ça, on va dire, ça me fera deux ovales pour les deux shops. Et en plein milieu, je vais mettre la fontaine. Une fontaine entourée de fleurs noires. Oh, je viens de penser à un truc. Parce que dans le jeu, je sais que tu peux acheter un. Bah, j'ai déjà vu, hein. Tu peux acheter un camion dans le jeu. Il me semble, hein. Ou j'ai rêvé, hein. Mais bref, je crois que dans le jeu, il y a un camion. Imagine le truc trop rigolo. En mode, je fais un motif personnalisé. Avec. En plusieurs parties. Il fait le corps d'un. Tu sais, le corps de quelqu'un où tu les vois en blanc, souvent comme ça dans les films ou des dessins animés. Tu fais ça. À côté, tu mets un tableau du Naël. Et tu mets le camion à côté. Et tu mets des habits de flic à côté. Ce serait trop bien. Ce serait trop rigolo, non? Mais faut rire, c'est bon. Qui n'a jamais fait de refus d'obtempérer? Elle l'a dit elle-même. Donc du coup, mon ovale. Ah oui, non, faudrait que ça aille plus loin quand même, hein, si je fais ça. N'empêche, cette vidéo, elle est un peu lunaire. Hein. Bon, après, tu dis t'as perdu ton gosse. Enfin, je te dirais que ça m'est pas arrivé pour l'instant. Ce qui est peut-être rassurant et normal vu que je n'ai pas d'enfant. Mais putain, waouh, d'avoir sorti ça, mais. Alors, conduire sans permis, je te dirais. Ouais. Ok. Oui, ça peut arriver. Alors, typiquement, moi, mon permis, il est dans mon sac, tu vois. Avec mon portefeuille. Et mon portefeuille, bon, je l'ai toujours sur moi quand j'ai mon sac. Mais c'est très, très rare que je prenne mon scooter sans mon sac, du coup. Donc à la limite ouais mais tu vois mais si je devais me faire contrôler bah à la limite gèle tout sur mon téléphone et au pire je dis bah écoutez sinon vous venez chez moi et je vais vous montrer mes papiers mais là je les ai juste oubliés quoi. Mais bon moi je suis pas un petit con, je suis tellement respectueux que moi évidemment on va dire si un jour je devais me faire contrôler je dirais qu'en principe voilà on verra ce qui se passera. Après, sur la route, je fais pas n'importe quoi. Ah ouais, non, c'est pas mal de faire ça en vrai. Une zone carrée arrondie comme ça. Non, c'est pas mal en vrai. Ouais, non, c'est bien ça. Alors, c'est juste, ça fera une zone. Enfin, c'est juste après, il y aura du vert un peu dégueulasse. Bon, ça après, je sais pas trop comment je m'organiserai pour l'autre, mais déjà, faudrait que je place l'autre.
Mais bref, enfin, qui n'avait jamais fait de refus d'obtempérer, je suis désolé, la madame maman là, mais vous racontez des conneries quand même. Faut pas exagérer. Bah, je vais retime travel. Mais avant ça, on va aller voir Runer. Joue. Oh là là. La chaise qui tourne. Mais bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment, sur la chaîne VOD. Si vous voulez voyager sans votre permis. Sur l'île de Joe, bien sûr. En route. C'est parti. Ne veux pas utiliser l'application. Ah oui, surtout. Putain, à chaque fois, j'oublie. Dodo de contrôle, dodo 1. Allez, dodo. Et toi, Hiro, est-ce que t'as déjà fait un refus d'obtempérer? Qui n'a jamais fait de refus d'obtempérer? Tout le monde en a fait. Celui qui me dirait non, je le croirais pas. Waouh. Mais vous fumez, madame. Alors, bah, je crois que j'ai déjà les deux. Il me semble que le vrai a un épi de maïs ici, et la Mona Lisa, je sais pas c'est quoi la différence. Bien sûr, 40 déjà. Bon alors, je crois que c'est la végétale. Non, la potagère. Et la Mona Lisa, c'est la célèbre. Alors, la potagère. Ouais, la vraie, elle a l'épi, donc ça veut dire qu'elle est fausse. Et la Mona Lisa. Elle m'a l'air vraie, celle-là. Hein. Je crois que la fausse, elle fronce les sourcils. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas qu'elle fronce, c'est qu'elle elle lève les sourcils en mode. Donc ça veut dire que celle-là est vraie. Mais bon, on a vu qu'il y avait plusieurs vrais. Donc bon. Au pire, pour les Discords, les gens qui cherchent des œuvres d'art, ça permettra d'avoir une monnaie d'échange. Dis au pire, ça fait 50 000 clochettes si quelqu'un veut la récupérer. La sauvegarde a été effectuée. Oh, let's go. Qui n'en fait pas? Oh là là. J'étais en train de réfléchir un peu l'autre jour. En mode, évidemment, pour mon stage, qu'est-ce qu'il faudrait que je cherche? Bon, je sais pas si tu t'y connais en prog ou même en prog, pardon. Ou les jeux de gens en prog. En programmation, en soi. Bon, hors jeux vidéo, hein, je te dirais vraiment sur les sites, les applis, etc. Les logiciels. Tu as deux choses. Si je te parle du fond et de la forme. Le fond, c'est tout ce que tu ne vois pas. Les relations avec la base de données, des algorithmes et tout. Donc ça, c'est le fond qu'on appelle le back-end. Et on a la forme, le front-end, ce que l'utilisateur voit. Moi, je préfère le front. Je suis dans ma spécialité, en spécialité front. En ma spécialité, t'as deux parcours et moi j'ai le parcours front. Et en prog, c'est toujours ce qui m'a plus attiré. Moi, c'est toujours un peu le résultat et le sentiment d'avancement et d'accomplissement, on va dire, que j'aime voir. Donc c'est vraiment la forme qui m'intéresse. Et parmi les trucs où je me dis que je pourrais peut-être essayer de postuler chercher, bon, évidemment, un poste en front et pas en full stack, c'est-à-dire faire du back et du front. J'en ai déjà fait dans mon précédent stage et ça m'a un peu cassé les couilles de faire ça. Surtout que c'était en soi facile et ça m'a fait chier. Alors imagine des trucs difficiles, et moi quand j'ai du mal sur un truc, j'apprécie pas. Je passe un mauvais moment. Un mauvais moment. Donc je vais chercher un stage en front. Et après, en vrai, j'étais en train de me dire. Parce que ma mère, elle me disait, ouais, tu pourrais faire des trucs liés à l'audiovisuel, si parce que sinon t'aurais fait ça. Parce que oui, hein, si j'avais pas fait une école d'ingé, je serais peut-être parti dans un truc d'audiovisuel. Et en prenant du recul, je me dis que les trucs d'audiovisuel qui m'auraient bien plu à la limite. Ça aurait été des trucs évidemment liés
peut-être aux réseaux sociaux, des trucs de montage, tu vois. Pas forcément des écoles, mais peut-être des formations pour pouvoir bosser assez rapidement. Exactement comme un pote, bah Zampano, hein, son pseudo, pour dire. Ah, je dois être un dimanche là, le 25, j'imagine. Et Zampa, il est auto-entrepreneur et il a des missions de temps en temps. Voilà, un peu en mode freelance. Bah, je crois que c'est un monteur freelanceur. Bon, en vrai, c'est pas forcément le meilleur bail, être freelanceur. Putain, j'ai avancé d'un jour, j'ai eu autant de trucs. Qu'est-ce que tu regardes, Monica? Je t'aime beaucoup, mais... Tu observes ma maison, qu'est-ce qu'elle a, ma maison? Mais du coup... Oh, elle est belle, cette carte. Du coup, je pense que parmi les trucs que je vais un petit peu chercher, je pense à être un petit peu des trucs de télévision. Peut-être des trucs de télé ou des trucs un peu liés, pas forcément à l'audiovisuel, mais peut-être des trucs liés à l'information, des trucs un peu de télé. Je sais pas. En vrai, depuis que je suis sur TikTok et que je fais des TikTok, et surtout des shorts, hein, pourquoi je suis sur TikTok à la base, c'est pour les shorts. Mais vu que j'ai commencé à avoir des IA, des politiques avec de l'IA, et après derrière de la vraie politique, et maintenant j'ai que ça sur TikTok, bah on va dire ça m'intéresse de fou. En vrai, les histoires de chaînes télé et tout, en vrai ça m'intéresse, même des trucs de politique, moi ça m'intéresse. Ah, j'ai rien sur moi. Attends, c'est parce que j'ai pas ouvert le cadeau, c'est ça? Et en vrai, je me dis, je serais chaud d'essayer de choper des endroits comme ça. Genre des chaînes de télé, peut-être. Et là, par exemple, cette semaine, j'ai une semaine de conférence. À distance, et bon, évidemment, je m'en branle hein, de la plupart, hein, vraiment. Je me fous de royalement de presque toutes les confs. Mais il y en a une où c'est TF1. Ah ouais, je l'ai déjà, la Mona Lisa. Du coup, j'ai une deuxième originale. C'est cool que les tableaux ils puissent arriver plusieurs fois en original. Mais du coup, voilà, il y aura TF1 parmi les entreprises. Et bon, selon évidemment les stages qu'ils proposent, on verra. Mais en vrai, ça m'intéresse, tu vois. Et je pense que je vais tenter, ouais, si je vois, tu vois, des annonces en mode ingé informatique, même si c'est du full stack. En vrai, j'essaierai peut-être. Sauf si je trouve vraiment des pépites et que j'arrive à les choper, évidemment. On verra, hein, ça sera la surprise, évidemment. Mais ça m'intéresse. Sinon, après, des trucs, je me dis un peu des trucs entre guillemets bullshit. Parce que moi, j'adore la planète. Ouais, tu vois, des trucs un petit peu, on va dire, écologiques, etc. Bon, évidemment, c'est des environnements un peu bobos, un peu wokistes et tout. Évidemment, je déteste ça. Mais je me dis que c'est des trucs qui ont de l'avenir et tout, donc voilà, c'est un petit peu le mode facile. Ah, bon bah j'aurais pas de Runar vu qu'il est là. Ouais, c'est vraiment des univers que j'aime pas trop, mais en vrai les trucs écologiques, je me dis que c'est un peu intéressant, au moins c'est des gens... On va dire c'est des gens actifs, c'est pas, tu vois, c'est pas des introvertis comme moi. Donc je me dis au pire au boulot ça peut être bien. Et les trucs ils peuvent être intéressants, donc pourquoi pas. Sans être giga complexe aussi. Moi, les trucs complexes, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Moi, je suis pas là pour du challenge. Hein. Moi, je suis là pour l'argent. Si j'ai continué mes études. Ah putain, oui, je peux pas ajouter des. Ah, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde qu'on puisse pas aller là. Hein. Ouais, mais moi, si j'ai continué mes études, c'est vraiment pour l'argent, quoi. Parce que c'est un peu plus stable, peut-être. Ingénieur à tout hasard. Ouais, c'est chiant, tu peux que les poser là. Ouais, du coup, t'as un contour d'herbe de merde, là. C'est chiant, ça. Bah du coup, vu que je veux que deux, ça veut dire que celle-là, je dois m'en débarrasser. C'est pas mal en mode fleur, comme ça. Enfin, en mode... Non, c'est bien comme ça. Vas-y, je vais faire ça.
Non, je suis allé trop loin. Ouais, c'est cool. Alors malheureusement, il y a une maison qui me gêne, je crois. Quoique. Non, je crois que c'est bon. Yes. Attends, je suis allé trop loin, par contre. Parce que du coup, si je fais de 2... Attends, on est d'accord, là, il y a bien deux cases. Ah non, il y en a 3. Non, ça se voit pas qu'il y en a 3. Ouais, bon, à la limite, je vais pas m'embêter. Je vais juste le faire en dessous. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que je peux faire après? Là, je peux aller jusqu'à où? Ok. Voilà, on se dit là je fais ça. Ouais, c'est pas mal. On verra comment ça rend. Là je teste, hein. Ce sera la surprise. De si ça rend bien ou si ça rend mal. Objectif zone commerciale aujourd'hui. En fait, je te dis, j'ai lancé il y a 1h26, j'ai tellement pas fait grand-chose. Actuellement, j'ai juste déplacé un bâtiment. Vraiment, hein, si on parle réellement, j'ai juste déplacé un bâtiment. Ok. Alors, moi, ma fontaine, je vais peut-être la placer maintenant, ou au moins voir comment ça se passe. Attends, quoi? Ah merde! Attends, c'est une blague? Elle est où ma fontaine? Attends, j'ai combien de Malznook? J'ai 7000. Bah. Mais c'est une blague? Elle est où ma putain de fontaine? Je l'ai pas reçue? Mais non, arrête. Ça me coûte 4000. 4000, c'est hyper cher, 4000, c'est chiant à farm. Les tickets Malznook, c'est un enfer à farmer ce truc. Fous de ma gueule, ma fontaine, elle est où? J'ai changé des Malznook. J'aurais dû le recevoir comment? Par courrier? Mais ça me coûte 4000 balles! Ça se trouve, il faut que je retime travel pour ça. Bon, dans tous les cas... Faudra time travel pour déplacer le shop de Mélimélo. Vas-y, on va faire ça. Déplacer un bâtimento. Je veux déplacer le magasin, s'il te plaît. Mais ouais, c'est chiant, parce que du coup, la fontaine, je sais pas quelle place elle prend. J'imagine qu'elle prend deux par deux en termes de place. Ok, c'était... Hop. Alors... Mais ouais, c'est bizarre. C'est vrai que je me suis pas vu le récupérer. Oh putain! Non, j'allais dire j'ai jeté la lettre avant de récupérer le cadeau, mais il me semble que non. Mais là, j'ai rien. Mais je me vois pas l'entreposer non plus, en fait.
C'est quoi, c'est un scorpion ça? Non. Je me disais, putain. Putain, fais chier! Bon, je pense qu'en termes d'espace, je vais essayer de faire à peu près comme là. Alors le problème... Eh ouais. Le problème, c'est ça. Bon, allez, on va essayer d'être à peu près... d'être à peu près symétrique. Alors, faut que je fasse 3. Voilà, donc à partir de là, on creuse. Et dans la vie, il y a deux types de personnes. Et toi, tu creuses. Voilà. Alors après, ça marche comment? À partir de là. Ah ouais, mais là je vais être niqué. Je vais être niqué. Au pire, je l'agrandirai et ici je retirerai celui-là. C'est pas très très grave. Alors ici. Là je fais ça. Ici. Je me suis trompé. Ici on fait ça. Voilà. Après, il y en a un troisième. Okay. Donc là, normalement, c'est symétrique. Nickel. Bah après, ouais, bah j'aimerais bien foutre ma fontaine et faire des choses ici, mais bon. Pour l'instant, écoute, ça va rester comme ça. Ouais, à la limite, ce que je vais faire ici... Voilà. Putain, un peu dire comme des cons, là. Surtout Alice et Gradub, hein. Vous êtes des imposteurs. Je ne veux pas de vous dans ma vie, là. Voilà. Comme ça, ici, ça fait une petite transition qui est pas dégueulasse. Ouais, ici, on peut se dire, au moins, j'arrondis là. Voilà. Et ici, bah, faudra que je place la... le magasin. Ah, ouais, il faut que j'aille... Attends, faut que j'aille un cran plus haut. Ah oui. Vas-y, je vais poser après. Et donc maintenant, la vraie question, c'est le magasin. Est-ce qu'il est beaucoup trop long? Oh putain. Attends, il y a combien d'écart là, entre là et là? Voilà, t'as deux. Donc ça veut dire qu'il faut que je pose qui est un. D'écart avec au-dessus parce que je vais ajouter un deuxième cran après. Et là, il me faut deux d'écart avec ici. Là, on a... Ah bah, c'est bon. C'est exactement là qu'il faut que je le mette. J'ai bien deux d'écart avec la droite. On va regarder. Yes. C'est bon. Allez, hop. Ça part au four. Je vais regarder si je me suis trompé, au pire je... Non, c'est bon, il y a bien deux. Et bah nickel, bah du coup je continue par là. Ah, il est beaucoup plus grand lui, hein. On est d'accord que par là... Enfin, sur le côté aussi, j'ai fait trois, enfin deux différences. Ouais, c'est ça. Et à l'avant, je crois qu'il y a 3.
Alors là, si je fais ça, ouais, c'est ça. Il y a un trou. Donc on a bien 3 à l'avant. Ouais, c'est ça. Donc tout ça, je retire. Ouais, du coup, faudrait que je le retire, lui, hein. Bah, de toute façon, je vais recre... Enfin, je vais foutre par-dessus. Bon, par contre, mystère et boule de gomme, hein, pour ma fontaine qui a disparu. Là, je viens de perdre 4000 tickets Nook Miles, hein, c'est énorme. Ah oui, mais je repasse parfaitement sur le truc, en plus. Bah, c'est tant mieux. Alors, est-ce que j'ai fait un truc particulier pour le côté là? Ah, j'ai fait ça. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié d'arrondir ici. Ah, il y en a 3? J'en avais pas fait que 2. Merde. Oh! Attends, non, me dis. Je... Attends, on n'en me dit pas que je suis allé trop loin. Attends. Ah, c'est parce qu'il fait 4. Et lui, il fait que 3. Oh putain, j'avais pas vu. Ah, je m'étais pas rendu compte. Bon, à la limite, c'est pas trop grave. Ouais, c'est pour ça, lui, il a 3 alors que lui, il en a que 2. Ah merde, ça recommence sur la map. Ouais, en vrai, c'est pas méga giga choquant, mais je préfère avoir la même chose des deux côtés. Alors, à partir d'ici, il va falloir arrondir. Là, j'arrondis du coup, c'est ça? Putain! Ah, c'est vraiment chiant, le fait de... Qu'il te le fasse pas où tu vises. Donc normalement, là, on est bon. Je suis pas trompé. Alors si on regarde par rapport à ici... Bon, forcément, tu es un petit peu plus loin. Mais là, on est bon. Ouais, ça a l'air... Eh ben, nickel. Ah voilà, bah juste ici, ouais, il me faudrait mon truc, mais bon. Ouais, ça me choque pas, il est bien ici comme ça. Ça aussi, c'est bien, je trouve. Ah, ici, il me faut ma putain de fontaine, quoi. J'ai pas ma fontaine. Ouais, ce que je voulais faire, c'était une fontaine avec des fleurs autour. Toutes mes fleurs noires, histoire de les poser. Ah, je vais en racheter un, hein, tant pis. Hein. Attends, attends. Regardez, si ça se trouve, j'ai un équivalent de la fontaine. Mais je crois pas. Hein. Non, Monica, mais que fais-tu devant notre maison? Ça t'a parlé depuis 11 mois. Excuse-moi, je voyageais dans le temps, Monica. J'étais occupé. Je faisais autre chose. Là, je peux peut-être en profiter pour acheter des spots. Spots au sol. Alors, est-ce que j'ai des trucs qui pourraient se poser sur le sol de bien? Ah non, j'ai que dalle. J'ai que dalle, mais j'ai déjà regardé en plus avant. Eh bien, écoute, je vais racheter une fontaine. Ça fait chier, mais j'aurai plus de tickets miles donc après. Hein. Genre, si je veux m'acheter des choses, je vais devoir farmer. Et ça me fait bien chier. Boum 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 boum.
Ah, c'est cool, hein. Je suis content en vrai. Alors, carte. Ah ouais, putain, ça remplit un gros espace du coup. Ah, j'ai l'impression qu'ici... Attends. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est juste sur la carte, ça fait un effet d'optique. Ouais, ici, cette maison-là, elle m'embête. Ouais. J'aimerais bien faire cet effet un petit peu floral, on va dire, sur tous les bords, mais je peux pas. Je peux pas à cause de la maison. Bon bah on va s'acheter la fontaine, hein. Je suis trop deg en vrai, vraiment que j'ai eu de l'avoir perdu, je sais pas. Bon. Je pense que c'est juste j'ai pas fait gaffe. Attends, je vais déjà l'acheter parce que je sais pas si je pourrais me faire livrer les spots et en plus la fontaine. Y a quoi ici? Ok, bon. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de bien ici? Ah non, y a rien. Putain, il est bien ce sol. Il est simple en plus. Ouais, ce qui me fait chier, c'est que... Ah ouais, tu vois, typiquement. Ça, en vrai, ça serait trop bien d'en avoir. Ça passerait tellement bien. Bon bah fontaine, hein. En espérant l'avoir cette fois. Tu recevras chez toi par courrier. J'aimerais bien le recevoir cette fois. Ça se trouve, je l'ai vraiment pas reçu, enfin. Mais je pense que c'est juste, je me suis débarrassé du courrier sans faire exprès. Je vois que ça. Ah ouais? Le truc de Ring Fit Adventure? Vas-y. Lampe de jardin. Ouais, non. Soul de Kéké, je crois que je l'ai déjà. Ah, il est sympa. Ok. Et donc, du coup. Ouais, c'est que des trucs que j'ai déjà, ça. Ouais, c'est que des trucs que j'ai déjà. Donc moi je veux des spots au sol. S. Pot. Je crois que je peux en acheter que 3 du coup. Ah non, 4. Voilà. Eh ben écoutez. Oh, il y a un monde où j'étais full inventaire, mais je pense pas quand même. Bon, là, je l'ai acheté. On va vérifier. Là, normalement, c'est censé être bon. S'il vous plaît. Bom 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 bom. Alors, le moment de validade. Spouet. Ça manque de déco quand même autour de chez moi, Monica. Et chef, hein, vu qu'il est vraiment à côté de chez moi. Bon, allez, j'augmente de 2 jours pour être tranquille. Je me dis, si ça se trouve, j'ai pas reçu le truc parce que oh, c'était un dimanche. Et que le dimanche, peut-être que le facteur ne passe pas. On ne sait pas. Peut-être. Ah, les chargements. Putain, ça c'est dans la vidéo Princess Peach Showtime, mais je le vois, mais les chargements, ils sont tellement longs. N'empêche, un autre truc, je me dis, c'est... Bon, c'était surtout au tout début, où je relançais souvent les levels pour obtenir le 100% du level, et très souvent, je montrais rien de ça. Ça me fait gagner du temps. Les boss, j'ai décidé de presque pas les montrer.
Quand je crois les boss tout cumulés là, ils doivent durer 40 secondes actuellement. Sachant qu'il en reste que deux, en comptant le final boss. Ouais, je pense que le final boss, je vais faire en sorte que ce soit très très court dans la vidéo. Parce qu'on s'en branle, il est tellement facile. C'est vraiment juste du piou-piou tout droit et c'est tout, quoi. Non, les boss depuis Showtime, ils sont simples. Le plus dur, ironiquement, je dirais que c'est le premier. Parce qu'il est. Il est dur, je trouve, à perfect. Alors que le deuxième et le troisième boss, genre le chat et le serpent, ils sont trop simples. On m'a dit que Jason est sur la ville pour profiter. Qui Jason? Ah, nos insectes doivent lui manquer. C'est que ça doit être le caméléon renard. Le caméléon renard. Le calamé. Le ca. Bref, le lézard. Bon, là, je suis censé avoir 5 trucs du coup. J'espère que c'est ça. Attends. Ah putain. Ah non. Ah, mais c'est bon. Allez, spot au sol. Non, non, mais c'est bon, là, je me suis fait avoir deux fois. Bon, le Rincon, je vais clairement le foutre chez moi par contre. Hein. Je pense que je vais le foutre sur le mur juste à droite de la Switch. Sur le mur qui est très très vide. Je pourrais peut-être foutre des spots dans cette salle d'ailleurs. Je viens de me dire. Alors du coup. Ouais, je le foutrais sur ce mur-là, là. Y a pas assez de place. Fous de ma gueule. Ça se pose pas sur un mur. Oh putain, j'ai la fontaine, my bad. J'étais en train de me dire. Ouais, t'as vu la gueule du truc, genre ça se pose pas sur un mur. Non, en premier degré, ça se met pas sur un mur. Non, mais tu te fous de ma gueule, ça va pas sur un mur. Mais c'est de la merde. Mais ça sert à rien. Bah ouais, bah. Pff, chier quoi. Enfin, t'as vu la gueule du truc? Moi je fous ça sur un mur quoi. Bah merde. Bah ouais, bah du coup, je le fous nulle part. Hein. Y a pas de place pour ça. Moi j'ai juste de la place pour mettre des choses sur les murs. Parce que même là j'ai pas la place. Bah tant pis, va te faire foutre. Putain ça dégoûte. Même dans la chambre à mon étage ça servira à rien. Mais c'est hyper moche, pourquoi on peut pas foutre ça sur un mur? Bon allez, bah du coup ça y est, je vais enfin pouvoir poser cette putain de fontaine. Et je vais probablement arrêter le stream Animal Crossing là après. Bon, je pense qu'il reste au moins une demi-heure, hein, le temps que je me décide. Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Ah. Bon, bah, lui, on va pas lui parler, sinon il voudra partir. Et ben voilà, du coup. Alors, comment? Alors, c'est laquelle déjà? Oh, elle est toute petite en plus. Alors, par contre, faut que je calcule. Parce que là, j'arrive pas trop à me rendre compte. Remodie Louis, s'il te plaît. J'aimerais bien qu'il y ait 3 à droite, à gauche.
En haut et en bas. Si possible. Alors. Ah merde. Bon déjà. On aura que deux sur les côtés. Bah en haut aussi, il faudrait qu'il y ait que deux. Ah bah nickel. Bah là, il est vraiment parfaitement placé du coup. Mais du coup, ça va être en bas le défi. Ah oui, bah du coup, je vais pas pouvoir faire ça. Alors là, on a un. Ok, bah du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ça. Bon bah tant pis pour ça. Ce n'est point grave. Après, j'avais dit que je voulais mettre des spots et des fleurs, donc... Après, je sais pas où je vais les foutre, les spots. Bon, attends, ça, je le creuserai après. Enfin, je le remettrai bien après. Alors, on arrondit ici. De l'autre côté, on arrondit. Voilà, donc là, on a notre zone de la fontaine. Attends, on est d'accord, j'ai bien deux, là. Oui, c'est bon. Alors, comment je gère les fleurs? Moi, je vais vraiment faire juste le tour du truc. Attends, je peux pas creuser ici? Ah mais il fait 3 par 2 en fait, je crois qu'il faisait 2 par 2, mais non. Mais tu m'embêtes. Bon attends, au pire. Au pire, je creuse la zone pour voir comment ça se passe. Ah oui, non, en fait, il est plus grand que ce que je pensais. Et là, il y a quoi? Ah oui, non, là, c'est une zone de 3. Oh là là, tu trompes une fois, tu dois réappuyer deux fois. Voilà. Ah ok. Bah écoute, à la limite, ça serait un repère pour moi. Ouais, on voit rien. On voit pas du tout les trucs d'en dessous. Ah, je pensais pas. Ouais, à la limite, je peux faire ça. Attends, les calculs sont pas bons, comment ça se fait? Ah non, ici il y a deux. Ah ouais, non. Je me suis raté ici. Ou sinon, là j'agrandis. Comme ça, on garde la symétrie. Et merde. Donc ici je creuse. Et ici ça veut dire qu'on aura que. On n'aura que un petit cercle. Ça. Et là, ici, je mets des fleurs. Bonjour. Ah bah c'est parfait, je vais pouvoir... Attends. 4. Ah merde, je crois que je peux pas mettre des fleurs ici, j'ai pas l'espace. Ici, je crois que oui. Et là, je crois que pas. Bon, on verra au pire. C'est enfin l'occasion pour moi de me débarrasser de mes fleurs. On peut les mettre là du coup. Ah merde. Bon allez, je vais au moins les foutre ici. Ah putain, fais chier.
chiant. Ouais, en fait, le problème, c'est que lui, il est un peu trop grand. Bah, à la limite, je fais juste ça, hein. Ouais, ça m'embête, quoi. Parce qu'en fait, verticalement, il est parfait. Et horizontalement, il te nique, quoi. Ouais, il dépasse un tout petit peu trop. Non, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, mes spots. Tiens, est-ce que je peux placer des trucs en dessous, là? Ah non, je peux pas du tout. Je me sens bien de foutre les spots, genre là. Genre vraiment aux entrées des trucs. Ah bon? Sérieusement? Même des spots, je peux pas les mettre là? On est juste fou de ma gueule. Je peux le mettre devant cette merde là. Je peux pas? Voilà. Ouais, c'est bon. Et là, je fais pareil. Alors là, je suis pas sûr de pouvoir, par contre. Je peux pas en mettre genre là. Ouais, bon. Je vais éviter d'en mettre un d'un côté et pas de l'autre. Peut-être finir ça. Oh, je suis dégoûté pour la fontaine. Je pensais qu'elle était toute ronde. Mais non, ça m'arrange pas du tout. Hein. Non, mais c'est vraiment des enfoirés. Ils auraient pu la rendre ronde quand même. Moi, ça me nique, hein, vraiment le fait qu'elle soit pas ronde. Tellement frustrant d'avoir de l'espace là. Oh, c'est sympa ça. Mais bon. Ah, oh, ça dégoûte. Pas beau en plus, du coup. Non, bah, c'est pas grave. On va dire c'est déjà ça. Par contre, mes spots, je sais pas quoi en faire. J'aurais kiffé les foutre en plein milieu, mais je crois pas que je puisse. En plein milieu de ça. Est-ce que je peux? Ouais, putain. Et on peut pas les déplacer. Oh putain, je suis dégoûté. Peut-être entre les trucs. Non, ça rend pas bien. Oh, fait chier, je peux même pas les mettre au centre des cercles. Oula. Attends, il y a de l'argent sur patte là. Après, je dis ça, hein, je vais probablement me rater. Ouais, faut pas aller tout droit devant lui, ça sert à rien. Putain, je suis deg. Putain, je suis déçu là de ce que je viens de faire. J'étais très content pour tous les autres, mais là, je suis un peu deg. Après, j'ai pas de chance. C'est au niveau de. Bah, de la taille de ce que je voulais mettre là. Ouais, non, vraiment. Ouais, je voulais mettre des fleurs autour, mais je peux pas, quoi. Sinon, je retire les fleurs. Je mets même pas de verre hein, autour de la fontaine. Alors, plus.
Ouais, tu vois. Ouais, comme ça, je sais où c'est. Et du coup, faut que je la repose là. Alors, elle est où? Ouais, là je peux pas, tu vois. Sera moche. Ouais, sinon je fais juste tout droit comme ça, quoi. Et là, c'est pas assez large du coup. Si je la tire. Alors que là, elle est en plein milieu. Yes. Si je la tourne. Oh, c'est mieux là, je préfère. Je préfère que ce soit comme ça. Eh bien, écoute. Alors, du coup, ici, là, je me fais niquer par contre. Pas convaincu, pas convaincu. Mais bon, que puis-je faire de plus? Oh, ça me dégoûte, je sais pas quoi faire. Hein. Vraiment, la fontaine, elle me dégoûte. J'ai pris du temps, je l'ai acheté deux fois. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ne nourris pas la nature. La nature ne nous le rend pas. Même mes spots, je sais même pas quoi en faire. Eh, hey, c'est affreux ça en vrai. Je trouve ça dégueulasse. Hein. Je le retire. Ouais, à la limite, là, ça va. Donc là, faudrait que je fasse pareil, logiquement. Mais là, il y a déjà deux. Ah oui. Bon, bah, je vais récupérer ces roses-là. Ch'tac. Et maintenant, hop, on récupère tout. Bon, ça sera déjà ça. Bah, 2 heures pour faire pas grand-chose finalement. Bon, c'est la zone commerciale. Bon, je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux faire pour décorer l'endroit. Avec ce que j'ai dans mon inventaire. Ah bah il est là le monsieur. Ah bah à la limite je peux lui donner mon copri irisé. Après pourquoi je fais ça aussi avec les fleurs? Si je fais ça avec les fleurs aussi c'est pour pas qu'elles se dispersent.
Mais c'est trop chiant sinon. Plein d'insectes à te vendre. Neuf mille. Putain, c'est tout. Là, je pensais qu'il me l'achèterait vraiment plus cher. Et après, il me disait quoi? Et toi, si tu veux me commander une œuvre, c'est quoi commander une œuvre? Je sculpte un insecte. Ah, mais c'est comme ça que j'ai ma statue de Marlin. C'est qu'au castor, j'ai dû lui donner 3 marlins. Waouh. Ah, c'est comme ça que j'ai dû l'avoir. Alors, ça rend comment sur la carte? Ouais. Ouais, allez. On va prendre. Non, c'est juste pas logique que ici, tu vois, ce soit arrondi. Que là, ça le soit pas. Que là, ce soit arrondi. Que là, ce soit tout plat. Mais bon, le problème, c'est à cause de cette maison. C'est pour ça que je le fais pas. Pour ça que tu ne l'arrondis pas. Bah, je croyais que c'était tout ça pour des paillettes. Ah oui. Je me disais, mais attends, c'est bizarre, c'est chef normalement qui est en mode petit nuage. Les spots. Est-ce que je peux mettre les spots? Je sais pas où est-ce qu'il me les placerait. Sinon, je les fous autour des plantes comme ça. Ah, oh ça. Oh, ça rend mieux déjà. Je pourrais peut-être foutre des buissons. Alors, vraiment pas là que je voulais le mettre pour le coup. Moi, je me dis des buissons, ça pourrait être bien. Ah, c'est beaucoup plus cool là déjà. Bon, c'est juste entre nous, très random ça. Donc ça, je vais le retirer. Enfin, je vais l'agrandir, quoi. Je vais faire ça parce que c'était très random ce que j'avais fait à l'instant là. Ouais, là, je peux pas voir la logique. Faudrait que je déplace cette maison après. La maison d'Alice. Je vais le faire maintenant. J'ai déplacé la maison d'Alice. Il faudra que je me note à la limite pour la prochaine fois. Oh, quoi que. Je suis pas. J'ai un doute si je suis allé voir Runar déjà. Bon, déjà, on déplace la maison d'Alice. Top à la pep, la maison. Je sais même pas où il habite Gardube. Gardube aussi, faudra probablement que je le bouge. Ça serait bien si on pouvait switcher la maison, enfin les maisons de deux villageois. Parce que du coup, ça veut dire que je pourrais directement poser la maison de Peck et commencer la déco de sa maison. Mais non, du coup, je pourrais pas. Faudrait que j'attende de l'avoir pour être sûr. Enfin, sinon, ça veut dire qu'il faudra que je switch les maisons plusieurs fois si je dois inverser les maisons. Après, je peux prendre de risques, mais bon. C'est vrai que ça m'arrangerait qu'il ne me manque qu'un villageois et non deux. Mais pourquoi, Peck, tu le mets pas dans le quartier des oiseaux? Le Peck, c'est une merde. Ah, il veut plus partir, chef, c'est bon? Ah, bah ouais, c'est clairement mieux comme ça.
clairement mieux comme ça. Moi, ce que je trouve très dommage, c'est que si je devais mettre de la terre au lieu de l'herbe, eh ben, il y aurait quand même une bordure d'herbe autour de la terre. Et le fait que les textures ne se collent pas, je trouve ça trop dommage, hein, parce que du coup, c'est pas beau. Quitte d'Alice Bayou, comme je l'ai dit, je vais juste la bouger. Hein. Je peux pas la foutre là parce que du coup, j'ai pas la place. Ah, mais j'ai la place de foutre Alice nulle part en fait. Parce que ici, c'est la zone commerciale, je peux pas. Ouais, je peux la foutre là, à la limite. Attends, où est-ce que j'ai de la place sur l'île? Ouais, à gauche, à la limite. À côté de chez Jennifer. Moi, je suis pas emmerdé là-bas, tu vois. Ce que j'ai prévu d'y faire, bah, je le ferai pour cet été. N'empêche, c'est bien avec là ce que j'ai fait entre aujourd'hui et la dernière fois. Putain, ça me fume ici, il y a tellement de trucs. Je me suis débarrassé de pas mal de choses. Non, bah vas-y, je vais la foutre là, comme ça me débarrassera des mauvaises herbes. Vas-y. Oh, ici c'est parfait. Je me pose même pas la question. Ouais. Et ben voilà. Fini Tito. On est à combien? 2h12 de stream? Ouais, à la limite, on peut se dire je me balade d'arbre en arbre pour espérer trouver le scarabée. Ah, c'est rigolo, la lumière elle est pas affichée quand le spot n'est pas dans le champ. Regarde, hop, disparition. Apparition. Bon, là j'aime bien, tu vois. Mais c'est ce que je disais, les spots ça rajoute quelque chose. En vrai, je vais en racheter du coup. Je vais racheter des spots. C'est bien. Non, et là ça va. Je trouve que là ça passe bien. Évidemment, ce qui est dommage, c'est que j'aimerais bien avoir une bordure pour que ça rende mieux. Mais je trouve que là déjà ça rend beaucoup mieux. Bon, pas de scarabée j'imagine. Oh bon. Alors pas de scarabée, mais on a un truc qui est vraiment pas mal, hein. Je crois que ça a été le dernier gros insecte. C'est Hercule lui, je crois. Ça a été le dernier gros insecte qu'il me manquait, celui-ci. Mais les insectes, ils sont tellement simples à avoir, c'est un scandale. Par rapport aux poissons, ils sont tellement simples à attraper, en plus, ils spawnent beaucoup plus. C'est une dinguerie. Ouais. Par contre, j'ai toujours pas mon petit scarabée, hein. Mais vraiment, j'attends que ça. Le dernier insecte qu'il me manque en été. Après, il me manque ce petit bâtard de coryphène, mais lui, il veut pas, par contre. Ouais, sinon, je me dis les... Ouais, quoique les arbustes, je sais pas. Non, ça, c'est bien. En vrai, ça, c'est de trop, hein. Il vise quelque chose, lui? Il fume. Ok. Là, bon, on s'en fout un peu. Je touche pas. Mais non plus. Quoique là, à la limite, je peux l'agrandir. Vu qu'il n'y a pas de maison qui me gêne. À la caméra là qui me la mettent comme ça. Voilà. Et là bah j'aimerais bien mais bon. Je vais le faire. Comme ça sera fait. Et je me souviendrai bah, qu'avec la maison d'Alice,
Il va falloir s'en occuper. Après, je peux. Ah, quoique, je crois que je peux. Ah ouais, je peux. Ah bah nickel. Et du coup, si on regarde la carte... Il manque plus qu'ici. Bah du coup... Ah. Et oui, malheureusement, du coup. Bon, à la limite, c'est pas choquant, vu que là, c'est collé, tu vois. Mais je pense que ça, je le referai. Peut-être en mode, je fais des cercles pour arriver là. Je sais pas, on verra. Ouais, c'est mieux carré comme ça. Ouais, c'est mieux. Comme ça, là, tu vois, ça fait une ligne toute droite et tout. Et après, on peut se dire même... Bon, voilà. Et là, je pense que je plante des arbres. Ou je mets des arbustes. Je pense peut-être plutôt des arbres. Est-ce que j'ai la place? Ouais, non. Vas-y, je vais mettre 4 arbustes. Parce que les arbres, je pense pas que ça passerait. Vas-y, ça va être mieux comme ça. Non, en vrai, je suis vraiment content. Mon île a tellement pris de la gueule depuis bah, ma reprise. La seule chose qui était un peu aménagée, bah, c'était autour de ma maison, quoi. Avec le pont au-dessus, et c'est tout. Hein. Alors, est-ce que j'en ai? Pousse de camélia rose. Bah ouais. Sinon, je plante des patates. Azale est blanche. Ah ouais, on peut peut-être foutre des blanches pour changer. Comme ça, blanc et noir. Après, blanc, noir, rose, ça passe. Ouais, le quartier des oiseaux, je pense que je vais vraiment faire un truc gros. Je vais vraiment faire quelque chose de gros. Par contre, je sais plus du tout comment monter. Ok, ouais, c'est tout. Alors par contre, faudra probablement que je time travel maintenant. Parce que sinon, j'ai peur qu'elle se coupe pas si je reviens dans... Enfin, qu'elle ne pousse pas si je reviens dans le passé. Ouais, c'est bien, ça va être clean ici. À la limite, je me dis ici aussi, je peux en foutre. J'ai peur que ça fasse trop. Non, mais je trouve que c'est bien. C'est bien comme ça. Alors, est-ce qu'il y a besoin de mouiller? Ça a pas l'air. Non, ça doit pousser naturellement. Après, il y aurait la déco de la mairie, mais la déco de la mairie, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais le laisser en suspens, ça, hein, mais c'est vrai que je pourrais y penser. Après, la mairie, elle se suffit à elle seule. À la limite, je fous des arbres un peu partout et c'est tout. Tiens, et vu que j'y suis... Ouais, non, ici c'est déjà très bien. Ici, est-ce que je pourrais rajouter des choses? Ouais, ici à la limite, je pourrais foutre des camélias ici pour cacher le truc, mais en vrai, ça serait très random ici, je trouve. Non, je pense pas.
pense que je vais laisser comme ça. Donc la maison d'Alice, ça va déjà bouger. Je vais me racheter des spots. Je vais faire un time travel. Et je pense que je vais m'arrêter là, finalement. Ouais, ça va. Je pensais que je streamerais à peine 1h30 de l'Animal Crossing, mais finalement... Finalement, ça m'a pris le temps d'un stream entier, quoi. Et que là, je vais atteindre les 2h30. Alors, Nook Chopang. Abri et oiseau. À qui il aurait pu passer. Alors, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux des spots. S. Ça me fume. Hein. Voilà. Ouais, j'en prends 5. Comme ça, on est tranquille. Du coup, j'ai un doute si je suis allé voir Runar, mais en vrai, je m'en fous un petit peu. Là, je fais juste un time travel final pour pouvoir faire pousser mes plantes. Et après, bah, une fois que ça aura bien poussé, bah, c'est la déconnexion officielle. Bah, écoutez, j'aurais pas mal spammé Animal Crossing, là, finalement. Parce que là, ça veut dire que j'aurais streamé, évidemment, mercredi dernier. J'ai streamé samedi. Là, aujourd'hui, je stream lundi. Je restream ce mercredi. Donc en l'espace de 7 jours, j'aurais fait 4 streams. C'est pas mal. Là où normalement, il y en a un. Allez, il y en a un par semaine. Donc écoutez, pour la prochaine fois, si je vais mettre le 31 comme ça au moins. Ah, et il m'a mis minuit? Ah, parce qu'il est minuit, ok. Eh ben écoutez, pour la prochaine fois, je vais du coup faire, donc mercredi, le quartier des oiseaux. Alors ce que je vais faire, c'est surtout creuser la montagne, faire les cascades, placer la maison de Julie au moins, voir où est-ce que je foutrais la maison de Apollo pour le moment où je l'aurai, bien évidemment. Sinon, je me dis... Non, j'allais dire, je peux déjà placer les deux maisons, mais non. Parce que dans tous les cas, ouais, j'aurais une chance sur deux que ce soit bien Peck qui prenne cette maison. Enfin, bien Apollo, pardon, qui prenne cette maison. Ouais, quoique. Parce que je me disais, si c'est Peck qui a la maison, bah au pire, c'est pas grave. Je la bouge. Parce que dans tous les cas, il faudra que je la bouge. Ah ouais, à la limite. Genre, la maison au centre du logo Naruto. Ouais, je... Ok, non, ok. Non, non, bah je vais faire ça. La maison au centre du logo Naruto, je la placerai pas. Par contre, les deux maisons du quartier des oiseaux, oui, je les placerai. Et si j'ai Peck avant Apollo, eh ben c'est pas grave. Juste la maison, je la mettrai au centre du logo Naruto. C'est l'anniversaire de Monica. Je l'ai déjà souhaité. Je l'ai déjà fait. Oh, je vois Julian sur Mario Sunshine. Je veux jouer à Mario Galaxy. Bon, allez, je récupère tout ça. Alors, moment de vérité. On profite hein, s'il y a un villageois qui veut se barrer en vrai. Ah, c'est juste des buissons? Bah, c'est très bien. Moi, ça me va. Ça me va comme ça. Ça fait juste un peu vide autour des shops, mais en vrai. Non, c'est mieux comme ça. Et sur la carte, ça rend comment? Attends, sachant que j'y suis. Alors. Ouais, c'est bien comme ça. Putain, ça prend deux cases entières quand même. Hein. Eh ben écoute, c'est très bien comme ça.
Et ben voilà, c'est officiel. La truc asiatique, enfin la zone commerciale est finie. Sauvegarde a été effectuée. Et ben nickel. Et ben écoutez, sur ce, ch'tac. Moi je vais m'arrêter là du coup. Voilà, pour ce stream qui était pas prévu, mais j'avais envie de stream ce soir. Donc c'était soit ça, soit du Mario Galaxy. Et puis voilà. Mais après, l'autre truc, j'avais dit, si j'ai envie de streamer des soirs et que je ne sais pas quoi faire, normalement c'est du Genshin, sauf que bah, j'ai déjà fait mes streams Genshin où je savais pas quoi faire, et au final j'ai fait du 100% de map. Et au final, bah, mon stade, je l'ai fini très rapidement. Enfin, très rapidement, donc au final. Au final, c'était pas si important que ça. Eh ben écoutez, demain je stream pas. C'est sûr à 100% par contre. Vu que ma sœur sera chez moi. Et qu'elle dormira et que évidemment je ne pourrai pas faire de bruit. Donc demain j'en profiterai, je pense, pour faire du montage et continuer Princess Peach Showtime. Et puis voilà, on se rapproche tranquillement de la fin d'Animal Crossing. Parce que là, du coup, sur les 6 zones que je m'étais noté à faire au dernier stream, j'en ai fait 2. Et on fera une troisième enfin, ce mercredi. Et après, les 3 autres, je pense que je vais me les garder pour cet été. Donc la zone multisport, la maison de Peck et la maison de Jennifer. Plus, je vais me le noter dans le to-do. Plus remplir les zones vides avec des étangs, des zones jolies, des zones florales, des zones de jeu. Un truc que je veux faire, moi, si je peux trouver un espace. Mais là, je suis pas sûr d'en avoir. Parce que si je monte le screen, mais attends, des zones de jeu. Donc, à faire après tous les to-do du dessus. Donc ça, c'est vraiment le dernier truc que je ferai. Mais du coup, pour vous montrer, le fameux screen dont je parle, c'est celui-là. Ça, c'est ce que j'ai décidé que je ferai pour la prochaine fois. Enfin, pour mon île, du moins. Donc, du coup, en numéro 1, on a la maison de Jennifer. Donc, les numéros sont juste là pour différencier. En numéro 1, on a la maison de Jennifer. En numéro 2, on a la maison de Peck. Et donc, par exemple, ce que j'ai noté, je vais dire. Pour la maison de Jennifer, j'ai mis mettre des trucs qui font penser à des chevaux ou à des trucs de racaille, évidemment. Et j'ai mis que je voulais aussi mettre un tableau de Aya Nakamura et de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. En numéro 2, c'est la maison de Peck. Et la maison de Peck, bah, c'est de mettre des barrières, des trucs de poubelle vraiment dégueulasses, quoi. Et évidemment, de mettre au centre logo de Naruto, parce que, enfin de Konoha, parce que voilà, comme ça il est vraiment seul contre tous. En numéro 3, c'est la zone commerciale que je viens de finir, du coup, qui était en dessous de la mairie. En 4, c'est ce qu'on va faire mercredi, ça va être le quartier des oiseaux qu'on fera sur une montagne, et je ferai une ou deux cascades dans le truc. Et peut-être que je ferai un peu comme le quartier asiatique qui est en haut à gauche. C'est-à-dire une rivière qui va couper en deux le quartier en soi. Donc voilà. En 5, entouré. Le 5 entouré. C'est la zone multisport. Où pareil, j'ai envie de foutre un tableau de Thibaut InShape, un drapeau de la France, un drapeau de Jean-Marie Le Pen. Je peux même faire plus loin, je peux mettre Zemmour, je peux mettre Marine, je peux mettre Jordan. On peut s'amuser. On peut mettre du monde. Hein. Il y a du beau monde que je connais. Même à gauche, hein, il y a beaucoup de monde qu'on peut mettre en Sacrée tête de gagnant en vrai à gauche. Hein. Et le 5 pas entouré, du coup, bah, c'était la maison de Pécan, mais je l'ai déjà faite.
Et d'ailleurs, en haut à droite, genre à droite du musée. Pareil, je m'en suis déjà occupé alors qu'à la base, j'avais pas trop l'intention. Mais c'est bien, à chaque stream, son avancée. Là, bah, si on suit la logique, ça veut dire que le prochain stream ne sera pas le dernier, mais l'avant-dernier d'Animal Crossing, du coup. Vu que là, le 4, en principe, ce mercredi-là, je devrais faire à 100% le quartier des oiseaux, ou sinon, ça va être comme le quartier asiatique, et vu que je vais beaucoup chercher ce que je vais faire, surtout au niveau des frontières qui m'ont beaucoup embêté, eh bien, peut-être. Ah, je viens d'avoir une petite idée de. Ah, quoique, il n'y a pas des ponts suspendus. Dommage qu'il n'y ait pas de ponts suspendus. Quoique, je vais regarder si ça se trouve, il y en a, et je suis juste pas au courant. Pont suspendu. Animal Crossing. New Horizon. Non, créer un pont suspendu. Si tu peux grâce à l'eau, tu peux faire un pont suspendu grâce à de l'eau. Oh, là j'ai très envie de faire quelque chose. Je l'ai first try sans me vanter. À 5 minutes 32. Qu'est-ce qui s'est passé à 5 minutes 32 dans ma vidéo? J'en sais rien. J'ai pas regardé les stats de la vidéo Angry Penguin. Ah ouais, l'effet du pont suspendu grâce à l'eau, il marche grave bien en vrai. Putain, ça marche bien de fou. Et après, tu peux passer en dessous du pont? Ah, c'est grâce à des motifs! Oh, c'est pas con! C'est tellement pas con! Mais l'effet marche que si c'est du vertical. C'est vraiment pas con. Oh, je me le note. Oh, je me le note pour le quartier des oiseaux, je veux faire ça. Quartier des oiseaux. Plus faire un pont suspendu. Avec des motifs perso. Comme sur le short. Ah ouais, de fou. Vas-y, je vais faire ça. C'est bien, c'est bien. Eh ben nickel. Eh ben écoutez, c'est noté. Tiens, j'en profite, je vais regarder le. Hop. Regarder les stats du jour. Si j'ai un commentaire, ça veut dire que j'ai eu des vues sur la vidéo aujourd'hui. Alors, est-ce que les shorts ont fait des vues d'ailleurs? Ouais, le short d'aujourd'hui, il a fait des vues. J'ai pas gagné d'abonnés aujourd'hui. RIP. Alors, contenu, j'ai d'abord regardé les shorts. Alors, est-ce que les shorts de la vidéo de l'époque, ils ont fait des vues? Non. Mais les 4 shorts de ce week-end, ils ont fait des vues. Hein. 900, 500, 500, 480, celui d'aujourd'hui. C'est bien. Avec aucun dislike, presque. Ok, cool. Et la vidéo le POC, putain, 215 vues, sérieux? J'ai eu que 10 vues aujourd'hui. Putain, j'étais persuadé d'en faire plus. Attends, et depuis hier, j'ai fait combien? J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ça dégoûte que 10. Et les gens, ils la regardent d'où? Après, vu que c'est du truc de l'Opox, c'est du Angry Penguin, je pense que les probas que la vidéo fonctionne dans le temps est beaucoup plus élevée que d'autres vidéos que je pourrais faire. Je pense que la vidéo Mario Galaxy, elle peut durer dans le temps. Et cette vidéo Angry Penguin aussi, il y a moyen. Et je pense que dès l'instant, si l'Opox devait refaire devait reparler de ce jeu-là, je pense que la vidéo fonctionnerait. Enfin, la mienne serait un peu plus mise en avant. Et les vues, c'est quoi? Fonctionnalité de navigation, suggestion de vidéo et recherche YouTube. Ouais, c'est grâce aux vues des recherches YouTube, en fait, que je vais avoir des petites vues. Hein. Je vais gratter à droite à gauche. Eh bien, écoute, tant pis. On verra bien. Eh bien, écoutez, sur ce, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD et ce stream. Et on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming. Allez, bonne nuit. À mercredi pour la suite d'Animal Crossing.